C'est toi qui m'as quitté. Mais c'était impossible de vivre avec toi. Enfin. Écoute, Camille, ce que nous avons fait ensemble, c'était bien. Moi, j'ai toujours ressenti la nécessité pour nous de vivre sur un pied d'égalité. Mais tout le travail que j'ai fait pour toi était bien. Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître pour les fourrer ensuite dans sa sculpture. Mais c'est ça que tu as laissé faire, c'est ça que tu as laissé dire. Mon Dieu. Finalement, tu es ma pire ennemie. Je te découvre. Mais tu m'as tout volé, tout. Ma jeunesse, mon travail, tout. Tu m'accuses d'avoir gâché ta vie. Mais j'aurais préféré ne jamais te rencontrer. J'aurais préféré être dans un asile, là où tu aimerais bien m'être d'ailleurs. T'es complètement saoule. Je veux pas bien m'être dans mais un asile. T'es complètement ivre-morte, complètement saoule. Il paraît que tu bois maintenant, on dit que tu bois partout. Mais si j'arrêtais de boire, tout le monde dirait que c'est toi. Et tout le monde verrait que c'est toi qui m'as mise dans un état pareil. Alors que tout le monde pense que je suis dans cet état parce que je bois. Alors laisse-les croire que je bois. Camille, je suis sculpteur professionnel reconnu. Je te soutiens. Je sais que tu peux te vanter d'avoir qu'est-ce contre toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tous ces gens qu'est-ce que qui tu ne veux connaissent dire, rien, professionnel. Ces apprentis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire diriger 3 ateliers à la fois pour cumuler les commandes? Ça veut dire jouer le jeu social au lieu de mettre la main à la pâte parce que tes ouvriers, tu les colles au travail, mais tu mets seulement la touche finale à tes marbres. Et moi, en tant qu'artiste, tu t'étonnes que je refuse ce système? Alors arrête, tu avec t'étonnes ces... arrête avec ces... C'est des calomnies. C'est... Arrêtez avec ces salades. Mais ces salades des parlons-en de tes salades. Tu as besoin d'appui des politicards pour défendre ton travail? Mais je ne suis ni Dreyfusard, ni anti-Dreyfusard, si c'est ça que tu veux dire. Mais au moins, si tu choisissais ton camp par conviction. Mais moi, quand j'ai appris que tu étais avec les Dreyfusards, que tu les soutenais uniquement pour ton intérêt personnel, pour pouvoir enfin exposer ton Balzac, mais moi, je suis devenue anti-Dreyfusard. T'as des vies comme ça. Arrête.